Nous avons, suite à cette réunion, décidé de travailler étroitement afin d'assurer à la population ivoirienne des produits et éviter une rupture dans les mois à venir, afin que le marché ivoirien reste stable et ne connaisse pas de perturbations. Je pense que nous avons su par le passé ensemble travailler à cette problématique. Nous ne voyons pas de raison pour que cela ne soit pas de même. Le prix du riz sur le marché international a subi quelques perturbations. L'Inde a interdit l'exportation de certaines qualités de riz. Le Vietnam connaît une augmentation de prix suite à une forte demande. Le Pakistan, lui, a mis un prix minimum à l'exportation. Toutes ces choses mises bout à bout ont fait que les prix à l'international du riz ont augmenté. Nous travaillons donc avec le gouvernement pour voir comment, ensemble, on va essayer de maintenir au maximum les prix. Bien sûr, il y a une augmentation qui est de fait, mais nous travaillons ensemble pour qu'elle soit la plus raisonnable possible.